Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit en ville. L'urbanisation du monde, processus à la fois rapide et complexe, génère de nombreux défis pour nos sociétés. Au niveau économique, environnemental, social et culturel. En réponse, les villes libèrent leur potentiel entrepreneurial et leur capacité de création. L'utilisation croissante des nouvelles technologies et des médias sociaux stimule en effet la diversité culturelle et favorise de nouveaux modes de coopération à travers le monde. Dans ce contexte, les villes sont devenues des acteurs clés de la créativité, d'une part pour le développement socio-économique et d'autre part pour le dialogue tant au sein des sociétés qu'entre elles. Parce que créer, c'est l'avenir d'une ville. Alors, si on ne fait pas confiance aux personnes qui peuvent réellement façonner l'avenir, c'est difficile de bâtir une ville. Cultural industries are the foundation for enterprise and dynamism for places. I'd say that actually investing in those things unlocks the asset base, which is your citizenry, because it gives people confidence, pride, self-esteem, skills. They take responsibility for their lives and they bring contributions to the table that create that engine for growth. The citizens were generated their incomes since we became a creative city. So creative city was so benefit for the citizens themselves. More than 20% of our workforce is engaged in cultural industries, whether it's art, theater, literature, dance, those types of activities. As cidades criativas, elas podem contribuir naturalmente para o desenvolvimento sustentável a partir do momento em que elas implantam políticas de economia criativa, uma economia limpa, não poluente, que envolve a atividade cultural, a criatividade das pessoas. Culture make the people united. Culture make the people to be proud. And culture also develop the city's economy also. That's why we should be creative and I think we should be proud to be a citizen. Depuis 2004, l'UNESCO met en réseau les villes et les invite à partager leurs expériences dans sept domaines des industries créatives. Littérature, cinéma, musique, artisanat et art populaire, design, art numérique et gastronomie. Cette plateforme internationale donne de la visibilité aux villes membres et permet d'établir de nouveaux partenariats au niveau mondial. Aujourd'hui, plus de 30 villes de différents continents ont rejoint le réseau UNESCO des villes créatives. Le réseau est ouvert aux villes qui souhaitent mettre en lumière leurs atouts dans différents domaines des industries créatives, tout en échangeant des idées et des compétences avec d'autres pôles culturels d'excellence à travers le monde. The cities in this network already have great stories to tell, great practices that we can learn from. 2008年, 深圳加入了教科文组织的 We've run some joint projects over the last few years, just exchanging writers and creatives and running cross art form projects as well. We recently ran one with Glasgow UNESCO City Music called Let's Get Lyrical, and that was very successful. The music cities within the creative network are already very active and very discussive. We meet quite regularly, we know each other, and there is a chance now to start doing things, and we already are working on UNESCO Music Days as a possibility to share the talent within each of the cities. Ser gärna att få till oss ny kunskap som kan också utveckla oss, så att vi ser det som otroligt spännande att få vara C'est en travaillant davantage ensemble, en se faisant confiance mutuellement, profitant des expériences qui peuvent être différentes, qu'on va réellement innover et changer le monde. Les gens se posent la question, est-ce que c'est possible de changer le monde? Moi, je renverse la question, puis je dis, est-ce qu'on a le choix de ne pas changer le monde? Et la culture et le design sont deux vecteurs essentiels pour l'avenir de l'humanité. La dynamique de ce réseau international confirme que les villes sont devenues des acteurs clés pour la promotion de la diversité culturelle et du dialogue. À travers des partenariats innovants, elles participent en effet à l'émergence de nouvelles opportunités pour le développement.